Salut tout le monde et bienvenue sur Cat Gaming. Nous voici aussi aujourd'hui pour faire le HF fait comme les rats qui fait partie du méta HF gloire du cataclysme afin de choper rien de Drake de pierre volcanique. Voilà donc fait comme les rats, on clique dessus, bim, tuer 20 rats des mines au cours de la rencontre face à Elix Angre casse dans les marques de mines en mode Drake. Donc on voit là en gros qu'est-ce qui est important dans ce fight, c'est-à-dire vous allez simplement attendre, essayer de, enfin vous allez essayer de pas tuer le boss. En attendant de faire spawn des rats, on va tout de suite voir comment on spawn des rats. Le but c'est que vous allez aggro le boss d'un des chancelants. Là vous allez vous positionner sous ce tronc. Bon ça sert pas vraiment à grand chose, mais le truc c'est qu'il va vous lancer en l'air des fois, et que si vous êtes sous le tronc, bah, il va pas pouvoir vous lancer très très haut. Vous n'allez pas recevoir de dégâts. Voilà, là une autre chose qu'il fait c'est qu'il vous chope comme ça, il vous prend à l'autre bout de la salle, il tape là dedans et il fait spawn des rats. Après en gros là on a tué les rats, mais on va aussi tuer le boss hein. Avec un peu de chance là on a des rats qui sont morts. J'espère que ça va juste pas tuer le boss parce que ça me ferait chier de refaire ça. Il m'a attaché une bombe dessus, je dois aller là dessous. Et boum, vous voyez, là j'ai pas giclé trop, j'ai pas pris trop de dégâts du coup. Parce que je peux pas enlever ce dot. Ok, alors on va peut-être juste pas faire ça comme ça. Il m'a chopé. Et slam, il me lance là-dedans. Il a fait respawn des rats. Voilà des rats qui ont spawn. Je ne sais pas si ces rats ils sont... Alors, Elix Angre casse, il a l'air quasi mort machin. Il a 1% de vie. Alors il m'a attaché une bombe au torse. Je sais pas si j'ai tué des rats ou pas. Alors les rats ont despawn. Le but ce serait de choper quelques rats quand même à chaque fois qu'on fait. Ce HF, vous n'êtes pas obligé de le faire que en une fois. Vous pouvez le faire en plusieurs fois. Donc c'est relativement cool. Bim, il me chope. Et bim, voilà, de toute façon on peut juste squatter un peu. Là j'ai tué les rats, vous voyez ces petits dégâts qui tombent, j'ai un peu foiré le début du HF. Enfin bref, maintenant on va simplement attendre, répéter jusqu'à ce qu'on ait fait 20 de ces rats. Vous voyez là je suis déjà à 16 sur 20, c'est une histoire de quelques secondes. Là, bon voilà, je suis peut-être pas obligé de rester au milieu des bombes. Mais bon, vu le pool de vie que j'ai là sur 215k, 10 petits coups, bon là 15k ça fait quand même un petit coup. Voilà, là il va me choper encore une fois. C'est bon, si vous êtes quoi que ce soit d'autre qu'un des cas, ce sera beaucoup plus facile de péter les rats en AOE sans tuer le boss. Parce que moi là, à chaque fois que je lance une AOE, ça me met des maladies et voilà, bim. En théorie, ah j'ai 19 rats. Oh. Ah là j'en vois encore un là-bas. Voilà, le HF, on peut tuer le boss sans problème, bim. Voilà, on a tué son gros dadais. On a eu le HF, on est content. Voilà, et je pense qu'il n'y a rien de plus simple, sauf sur un des cas. Faites juste attention à vos peste nécrotique, pas qu'elle aille tuer le boss. Là avec simplement une peste nécrotique qui évolue en 15 stacks, j'ai fait le tuer. Voilà, bref, c'était tout pour ce HF. Si vous voulez voir les autres HF, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, commenter ou mettez un commentaire, quoi que ce soit, ça me ferait très plaisir. Alors on se voit la prochaine fois, ciao.